Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans ma BDTech et non plus dans ma discothèque, parce que oui, j'ai envie de vous parler de BD. Ça faisait très longtemps que j'étais pas venu sur ma chaîne et j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir. J'ai envie de vous parler un peu de BD. Peut-être que je reviendrai à la musique, peut-être que je ferai 3 vidéos et que ça s'arrêtera là, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais envie de vous partager un album qui m'a marqué en 2020 et il s'agit de Un travail comme un autre de Alex W. Inker. C'est d'après le roman de Virginia Reeves et c'est totalement incroyable. C'est franchement un des plus beaux albums que j'ai eu en main cette année. Il s'agit d'un album qui est sorti aux éditions Sarbacane et c'est une véritable œuvre d'art. Les dessins sont complètement dingues, les couleurs psychées. Je vous ouvre un peu comme ça, mais je vous mettrai plutôt des images là et là autour de moi. C'est vraiment incroyable. C'est d'après un roman de Virginia Reeves. On est clairement dans une Amérique pauvre, dans une Amérique qui sent un peu l'Amérique de Steinbeck, l'Amérique de la Grande Dépression, puisque ça se passe en Alabama en 1920. Alors l'histoire est assez simple. Roscoe, qui est un homme électricien, tombe amoureux d'une jeune fille qui, elle, est fils de fermier et à un moment il doit reprendre la ferme de familiale puisque le père décède et qui se retrouve donc à être fermier contre son gré puisque lui, ce qui l'excite, ce qui l'amuse, ce qui le rend fou, eh bien, c'est l'électricité. Quelques années après, on retrouve le couple et on voit que tout ça n'a pas évolué dans le bon sens. L'alcool s'en est mêlé, un enfant, la crise économique, la ferme ne va pas bien. Et donc, Roscoe va décider d'électrifier sa ferme pour la rentabiliser. En plus, lui, il est électricien, il adore ça. Le souci, c'est qu'il va y avoir un petit problème sur la ligne et créer un gros problème. Il va donc se retrouver peut-être en prison, jugé. Enfin, pour tout ça, je vous laisse découvrir la suite. J'ai pas envie de vous spoiler cette BD, mais vraiment, vraiment, album incroyable. Pas très joyeux, je dois avouer que parfois, il y a des personnages très, très truculents, complètement amusants, mais l'ensemble est plutôt sombre. On a un petit fond, quand même, sur la relation aussi avec son homme de main qui est noir, les relations de couple, le quotidien, comment est-ce que la crise pèse là-dessus. Vraiment, très, 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 très chouette album. Alex W. Inker, ben il a fait ses études à Saint-Luc en Belgique en BD. Il a sorti d'autres albums, Apache, Panama, All Brown, Servir le peuple et celui-ci. Tout ça aux éditions Sarbacane, c'est vraiment toujours bien. Allez-y, moi j'ai vraiment découvert un auteur au travers de cette BD. J'ai d'ailleurs acheté un autre, j'ai acheté le Panama All Brown qui m'a beaucoup plu aussi. Je crois qu'il est là quelque part. Voilà, hop, Panama All Brown. Mais ça sera peut-être pour une autre vidéo. En tout cas, vraiment foncez voir cet album et c'est une tuerie intégrale. Donc je le répète, Un travail comme un autre, Alex W. Inker, édition Sarbacane, foncez, c'est trop bien. Juste pour info, cette vidéo n'est pas un placement de produit, hein. Je fais ça juste parce que j'aime la BD et que j'ai envie de vous faire découvrir des choses. Ben, n'hésitez pas donc à liker la vidéo, à la partager. Merci à tous d'être de retour sur ma chaîne. À très bientôt, ciao!